Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. Alors pour cette 33e émission, j'ai le privilège d'accueillir un prince. Un prince doté d'une volonté entrepreneuriale et doté également d'une conscience écologique. C'est la raison pour laquelle il a bâti Your Nature, entreprise qui a pour vocation de gérer des parcs d'éco-resorts. Un prince de sang, donc accueilli par une personne issue de la guerre du Biafra, fils d'un chef de village, ça c'est quand même assez cocasse et ça se produit sur la chaîne de la diversité, ça pourrait se produire qu'ici, donc on est assez fiers. Parlez-nous un petit peu donc des personnes qui fondent Your Nature, s'il vous plaît. On a fondé Your Nature il y a à peu près une dizaine d'années. Donc c'était sur des terrains qui nous appartenaient en famille depuis plusieurs générations. Il y avait une volonté de développer et donc on a réfléchi à trouver un concept qui soit au goût du jour, si j'ose dire, mais qui soit également respectueux de l'environnement. C'était pas forcément facile ou évident il y a une dizaine d'années, ça l'est plus aujourd'hui heureusement, mais c'est vrai que dans sa phase de conception, ça a été un vrai challenge. L'objectif, c'était de créer un nouveau type de resort de nouvelle génération et qui soit 100% sustainable, comme on dit en anglais. Qui trouve-t-on à la tête de Your Nature? Quelles sont les personnes qui composent Your Nature? Si vous voulez, le groupe familial est l'actionnaire majoritaire. Je suis le président de la société. Nous avons comme administrateur délégué ou directeur général un garçon qui s'appelle François-Marie, qui vient du groupe Disney, qui a développé Village Nature, qui est un très grand projet, qui est un joint venture entre Center Park et Disney, qui est un projet de 600 millions d'euros d'investissement, qui est également un resort dédié à l'environnement durable, ou du moins respectueux de l'environnement, parce qu'ils utilisent de la géothermie, par exemple, pour se fournir en énergie. Center Park a repris, si vous voulez, complètement le management de ce projet. Et donc, François était libre et je suis allé le chercher pour rentrer maintenant dans la phase touristique parce que nous sommes en construction actuellement et nous serons opérationnels touristiquement à partir de l'été prochain. Le projet se déroule où? Ce premier projet se déroule? Alors, c'est dans le sud de la Belgique. En fait, les terrains sont sur la frontière franco-belge. Donc, on est entre Lille et Tournai, à 20 km, 25 km de Lille à peu près. Le site est très beau. Il y a 7 lacs sur le site. Et le concept, c'est sport, nature, bien-être, et tout en respectant l'environnement. On est allé assez loin dans le concept, on sera unique en Europe, on sera vraiment un projet pilote. Qu'est-ce qui vous distingue des autres projets de parcs, de loisirs ou d'attractions ou de villages de vacances? On est un resort plus qu'un parc d'attractions, donc c'est de l'hôtellerie. Mais là où on est très différent, c'est dans le concept. C'est-à-dire qu'un exemple simple, vous arrivez avec votre voiture sur le parking, vous êtes accueilli, on vous donne une voiture de golf, chaque maison, si vous voulez, à sa voiture de golf et vous promenez dans le site avec une voiture de golf électrique et il n'y a pas de voiture à l'intérieur du site. Donc c'est vraiment un concept écologique qui a dicté votre projet. Et on ne veut pas de papier sur le site, donc vous aurez un bracelet électronique qui peut vous permettre d'ouvrir votre porte, si vous voulez, ou commander ou payer au restaurant ou payer les activités ou même commander après... un massage. Alors j'ai eu l'occasion de voir ce projet, les maisons témoins. On a vraiment l'impression d'être hors du temps. On a vraiment l'impression d'être, je sais pas moi, dans un espace de forêt canadienne. Comment est-ce que vous êtes allé chercher ça? On avait beaucoup de chance parce que le site était très beau dans son origine, dans son écrin originel. Donc c'est vrai que ça, on partait d'une bonne base, si j'ose dire. Et puis c'est extrêmement central. On est avec la gare TGV de Lille, on est à 1h20 de Londres, on est à 1h de Paris, on est à 1h50 de Bruxelles, 1h30 d'Amsterdam, donc c'est extrêmement bien placé. À qui s'adresse le projet? Aux enfants, aux familles Oui, voilà, c'est essentiellement aux familles, et je dirais c'est tout âge, de 7 à 77 ans. Qui a été le moteur de ce projet? Comment est né ce projet? Écoutez, ça partait de ma volonté, où je dis il faut développer ces terrains, développer le tissu économique local, développer le tourisme.
C'est vrai qu'au début, ça a suscité pas mal d'interrogations, parce que c'est vrai que transformer une forêt privée, je dirais, en terrain à bâtir et commercial et touristique, donc, c'était pas évident. C'est donc au berceau du patrimoine familial, de ligne, qu'est né le projet. C'est quand même extraordinaire. Oui, tout à fait. Qui va faire revivre, je pense, développer l'activité économique tout autour de ce projet. C'est ça. C'était l'objectif. En plus, on est une région où, c'est vrai, il y a un taux de chômage assez important. Mm-hmm. On est au-dessus de 15%, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, mm-hmm. C'est Antoin, non Oui, Antoin. Le village à côté s'appelle Antoin. On est à 5 km de Tournai. Mm-hmm. C'est le lieu même où vous êtes marié, si j'ai bon souvenir. Exactement. Exactement. Ouais. Et d'un point de vue économique, quel est le volume d'activité que dégagera ce projet et puis éventuellement les autres? Oui, c'est un projet qui est phasé parce que c'est vrai que c'est un volume financier assez important. La première phase est d'à peu près 100 millions d'euros d'investissement où on va construire 200 chalets pour commencer et les infrastructures principales qui sont le spa, la piscine. Et un spa qui est prévu aussi. Oui, un spa très important, ce qu'on appelle spa dernière génération avec des parcours, enfin, ça sera vraiment bien. Des restaurants, des boutiques, boulangeries. On veut, je dirais, enchaîner sur une deuxième phase assez rapidement. Mm-hmm. On a un permis qui nous permet de faire 700 cottages, chalets. Donc on en fait 200 pour commencer et l'objectif c'est de faire trois phases de 200 chalets. Je peux comprendre que ce projet intéressait des acteurs économiques de premier plan à l'étranger, au Canada, en fait. Chine. Ouais. C'est vrai que le projet suscite beaucoup d'intérêt. Ce qui est nouveau suscite toujours l'intérêt, c'est vrai que c'est un nouveau concept. Mais c'est vrai qu'on a été approché par des très grands groupes qui sont très intéressés par le concept et qui souhaitent développer ce projet au Canada, en Asie, même dans d'autres pays européens. Donc on est très encouragés, on se dit qu'on était sur la bonne voie. Ça a demandé beaucoup d'efforts, je dirais plus d'efforts que de créer un projet plus classique, notamment dans la recherche et le développement. C'est vrai qu'on est confiant et on est très satisfait par ça. Comment avez-vous financé ce projet? C'est un projet de quelle surface, si on peut le dire à nos téléspectateurs? C'est un projet de 100 millions. La phase de développement a été assez importante. Importante. On parle de millions d'euros d'investissement à risque, entre guillemets, attendant les permis, en attendant les permis d'exploitation, etc. etc. Donc c'est vrai que vous avez fait ça sur fonds propres ou il y a des fonds? On a fait ça uniquement sur fonds propres. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a obtenu pas mal de subsides dans la phase de réalisation, etc. Parce qu'il y a l'Europe aussi que vous avez Voilà, l'Europe, la région qui est la Wallonie nous soutient beaucoup parce qu'ils veulent le tourisme et l'environnement durable sont deux credos importants pour la région. Donc oui, on est assez soutenus quand même. Mais dans la phase de développement, ça a été uniquement sur fonds propres. Et vous avez d'autres projets à part cette opération-là? Oui, tout à fait. Moi, je travaille dans l'immobilier. C'était mon point de départ, si j'ose dire. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup au Canada, qui est un pays très intéressant. C'est vrai que le taux de change pour nous est très intéressant. Et à la CETA aussi qui permet de exactement, exactement. Ça, c'est quelque chose de très positif. On peut le dire pour nos téléspectateurs, c'est un accord commercial transatlantique entre le Canada et l'Europe. Qui a échoué avec les États-Unis, mais qui fonctionne avec les États-Unis. Qui a échoué pour l'instant avec les États-Unis, mais qui fonctionne avec le Canada et qui est très positif et qui est un pays très intéressant et qui est en plein développement. D'ailleurs, vous ressemblez un petit peu, on vous l'a dit, peut-être, je crois, au Premier ministre canadien Trudeau. Je ne vois pas forcément la ressemblance, mais c'est vrai qu'on me l'a déjà dit. Je prends ça comme un compliment, car j'ai beaucoup d'estime pour le Premier ministre Trudeau, et je sais que lui-même est très, très axé sur l'environnement durable. Je pense que nos téléspectatrices confirmeront que c'était un compliment. Tout à fait. Écoutez, donc, vous savez que cette émission est conçue sur les valeurs, donc les fonds baptismaux de valeurs que portent les entrepreneurs. Quelles sont les vôtres d'ailleurs? Moi j'ai plusieurs valeurs, mais... En regardant cette caméra, s'il vous plaît. Bon, c'est sûr que l'environnement durable est quelque chose de très important pour moi, le respect de l'environnement. Je voyage beaucoup, je me rends compte que la pollution augmente. Ceux qui disent qu'ils sont sceptiques, pour moi, ça me paraît une aberration. Je prends juste, par exemple, ce qu'on appelle le septième continent au large du Pacifique, qui est colossal. On parle de la taille de l'Afrique
en bouteilles de plastique, etc., qui sont regroupées par les courants au large du Pacifique, ça fait très peur. Enfin, il y a vraiment un vrai problème au niveau de l'environnement. Il faut vraiment, vraiment que les entrepreneurs dirigent leurs efforts au mieux pour essayer d'aller dans ce sens-là et d'améliorer les choses. C'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Les politiques font ce qu'ils peuvent pour aller dans ce sens-là. Alors certains plus que d'autres, c'est un sujet assez actuel. Mais il faut que les entrepreneurs, c'est très important, dirigent leur société. Et aujourd'hui, il y a les moyens. Avant, c'était trop cher. Il y a 10 ans, c'était trop cher. Aujourd'hui, c'est pas trop cher. Aujourd'hui, il y a la technologie qui est là. Il y a la possibilité de le faire. On peut faire les choses bien. Et c'est d'ailleurs ce qu'on veut essayer de prouver avec Your Nature. C'est-à-dire qu'on peut être un acteur économique. On peut avoir une société qui soit profitable. On peut créer de l'emploi tout en respectant l'environnement. Écoutez, merci infiniment. Je crois que vos aïeuls et notamment le 7e prince de ligne auraient de quoi être vraiment ravis des propos que vous venez de tenir. Je rappelle qu'il avait langue avec Catherine II de Russie, avec Rousseau, avec Voltaire, avec Casanova aussi. Ouais. Donc voilà, c'était un très très bon moment. Merci infiniment, prince de ligne. Merci beaucoup.